connaissance, première fois nous joindre, première fois nous causer. Mm-hmm. Ouais. Et ça nous est passé, comment on trouve Très bien, comment se trouver, sorti souriant. Donc, causer une indiboulée une première fois, c'est the first impression est important. Mm-hmm. Merci les amis. Chéri Singh, le pèlerinage politique se poursuit aujourd'hui avec en avant Maurice. Alors, qui est arrivé comme ça, qui est causé? Alors, premièrement, je voulais dire que ça fait un bon bout de moment que je suis en visite de Patrick. Je me trouve plusieurs fois à travers son outil et travail social qu'il y fait. Je me trouve comme un professionnel très compétent, mais aussi avec beaucoup de cœur pour Bandimoun. C'est à cause de ça que je suis en vie de Zouani depuis longtemps. Je remercie lui qu'il ait accepté Zouan moi. Mais aussi constater que, et ça fait moi énormément plaisir, que quand on peut discuter un petit peu l'avenir du pays, parce qu'il nous discute un petit peu politique, c'est normal, qu'il semblerait que nous ayons la même qualité de vision en termes de ce qu'il nous trouvait, une problématique qu'il y a dans le pays et aussi qui besoin faire pour le pays. Personnellement, je pense que, je vais dire ça devant Patrick, qu'importe qui arrive devant, je pense que l'île Maurice, besoin d'un professionnel, comment. Patrick, qui est dans l'équipe pour Tibon. Pas si vous êtes compétent, vous êtes dans l'équipe pour Tibon. Alors, je vraiment remercier Patrick pour son accueil, sur l'équipe aussi, formidable, très très motivé, très dynamique. Je vous le temps de vous aider. Vas-y. Merci beaucoup encore une fois. Donc, on va dire la vision de Ronald Maurice, sa vision du parti, il tombe dans l'optique qui peut faire ce rassemblement-là. Alors dans l'optique, mon pèlerinage, comme on dit, j'ai envie d'écouter un maximum. Alors déjà, mon pèlerinage, j'ai besoin de beaucoup de monde tous les jours, mon peut descendre. Il y a médiatisé, il y a moins médiatisé, bien sûr, il n'est pas médiatisé. Et que tous les leaders qui sont là, comme Patrick et les autres leaders aussi, j'ai envie de besoin pour comprendre un petit peu qui sont aspirations et qu'ils sont là, parce qu'ils ont envie de nous coûter, comme on dit, pour bâtir l'alternative. Et aussi créer une vision pour le pays, si bizarrement bien sûr. Alors ça fait moi énormément plaisir parce qu'il me trouve très dynamique, bien sûr, il y a un professionnel très compétent aussi, mais impressionnant qualité l'équipe qui est là, du monde quand c'est social qu'il fait. Mais nous dis aux réunions, est-ce qu'il est basé au rassemblement, tu peux dire, pour une demande politique politique ensemble, c'était ça le but aujourd'hui? C'est pas juste ça. En fait, rassemblement, c'est une première affaire qui m'ont débuté. Mais au-delà de ça, on rappelle depuis le début, m'ont dit qu'il est important qu'Astella nous commence, pense, il y a deux, trois affaires. Première affaire, c'est que le peuple a envie de sa gouvernement là aller. Pour ça, le type bon, c'est tout du monde unir. Mais au-delà de ça, ce qui est plus important, c'est qu'il nous commence à travailler une alternative et qu'il y a une vision pour le pays. Je crois que le monde un petit peu expecte ça et c'est à cause de ça qu'il peut descendre pour comprendre avant, pour me si je suis capable d'amener quelque chose. Je sais que le 1er août, où tu débutes sa pèlerinage politique là, grand parti, parti travailliste, PMSD, avec Bruno Lorette, le citoyen, il arrive beaucoup d'événements. Hein? Nous connaissons où tu dis, où on va rassembler tout, il y a une seule manifestation. Pour les coups, toutes les manifestations qui étaient inannulées, là nous trouvons une alliance pour les municipales inannoncées. Beaucoup de questions se posent, ou qui ou lecture de ça, l'alliance qui vient de faire là, et où là où nous sommes, où nous rassembler, une rassembler un coup, une désassembler après. Non, dans la vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites au best. Tant qu'on fait au devoir, vous n'êtes pas capable, responsable de résultats qui peuvent arriver. L'important, c'est que, vous pouvez demander moi, si vous avez une réunion, qui m'a pensé là. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont fait réunir, sauf que je pense qu'ils ont raté un petit peu de target, ils ont fait cause municipale, tandis que le PEP peut envie plus qu'il s'est gouvernement là aller et qu'il y en a général. C'est à cause de ça qu'ils m'ont pensé que définitivement, il arrive là, il m'a besoin de beaucoup, beaucoup de monde, une l'air pour une troisième force. Qui forme ça prend, comment pour faire lui, c'est ça qui nous peut descendre pour essayer de comprendre qui dit mon envie. Mais définitivement, il est pour une troisième force. Et là, nous avons l'opposition qui perd dans une manifestation les 3 septembre, nous l'aurait possiblement les 21 août. Donc, quelle manifestation pour vous présente? Alors, pour moi, c'est une manifestation qui me représente si c'est une manifestation citoyenne pour tous les peuples présents. Aucune manifestation partisane, moi pas souhaite présent, mais quoi qu'il me souhaite, tout le bonheur, parce que si c'est réussi, tant mieux pour le peuple. Mais moi, mon bataille, comme on dit, en tant qu'un individu et comme moi aussi, je fais partie des peuples, c'est que tout le monde a besoin de descendre. Si vraiment tout Mauricien est plein et a envie de donner un signal à un gouvernement d'une façon démocratique, nous a rassemblé tout le monde. Il n'est pas important qui couleur politique ou était. Ce qui est important, c'est que si vraiment jeune, moins jeune, madame, senior citizen, tout le monde
irrespective ban parti, nous sommes bien capables de descendre pour exprimer nos mécontentements envers un gouvernement qui nous n'est bien en confiance. Chéri Singh, bien en a un peu bonne manière et il n'est pas capable de nous faire un rendez-vous avant de gagner un rendez-vous. Paul Béranger, il lance une pique samedi, Chéri Singh. Oui. Je me demande une réaction, là, une réaction de Paul Béranger. Au fait, à travers un souban intermédiaire favori, Mouti, dans le week-end, finit de demander un rendez-vous et qui intermédiaire là, tu dis à moi, soit lundi, soit mardi, il pousse moi. Peut-être il y a un malentendu, il est parti pour l'intention offense. Alors, il arrive, c'est qu'il a arrivé, l'India, c'est qu'il a pu dire. Mais je n'ai pas intéressé, pousse moi. Non, mais il n'est pas grave, écoutez, il y a un droit sur l'opinion et s'il n'est pas en besoin, moi, accepter, bien sûr, il n'y a aucun problème là. Chéri Singh, 40 ans anniversaire MSM, sa pèlerinage politique que vous pouvez faire là, là tout MSM fait une tournée ici pareil, qui peut débiter demain en passant. Oui, moment. Oui. Au fait, là, si vous permettez-moi, je suis content de donner un petit conseil au Premier ministre. Je ne crois pas qu'il y a un bon moment pour descendre parce qu'il m'a gagné l'impression que la météo politique pour changer, qu'il y a une classe 4 peut venir bientôt. Alors, si je suis là pour donner un conseil, moi, c'est qu'il n'est pas un bon moment, tu peux canceler tout ce bon réunion. Mm-hmm. Mais bon, laisse-nous guetter qui arrive. Et quand on dit une classe 4, la Google, on dit pas la même révélation, ben, nouveau élément en cours. Alors, on connaît, météo, ça n'est pas qu'à 100%. Si, météo politique peut dire qu'il prenait une classe 4. Ça qui m'a noté, moi, qu'après mon dénonciation et que mon action qui m'a pris, beaucoup de monde a contacté moi et aussi pour gagner courage pour venir dévoiler certaines choses, etc. Alors, il y a peut-être pour l'instinct qui peut dire qu'il météo pour garder le côté politique et qu'il y a une forte probabilité de classe 4 qui peut venir. Allez, chérie, c'est nous. On saute le terrain, on est dans le désert, avant qu'il y ait un tsunami à terre. D'ailleurs, on vous a posé une question sur le tsunami là. Dieu les vengeurs. Dire tsunami qui est annoncé là, une balle de l'opposition. Oui. Et là, on peut annoncer nous une classe 4, une parole orageuse, ouais. Ou bien flash flood. Moi, j'ai déjà répondu ça. Alors, première affaire, c'est que le tsunami là, il est là. Lui. Quand il peut le lever, il est normal qu'il est là, il ne peut pas oublier. Les PEP, si vous le terrain, vous pouvez connaître qui. Les peuples, dans une grande majorité, ont envie que ça vienne mal. C'est ça qui tsunami l'a été. Sauf qu'il prend forme quand il prend forme. C'est besoin d'un événement pour qu'il prend forme. Deuxièmement, avant un tsunami, non, il n'y a pas en plus un des cyclones venus avant. Alors, il y a une forte probabilité que vous dire les temps gâtés. Mm-hmm. Mais le tsunami là, il peut venir à 100%, on peut dire ça publiquement. Ça, le gouvernement l'a peut aller, il y a une question de temps. Parce que, normalement, dans une démocratie, il y a certaines affaires qui peuvent être faites démocratiquement. Et en ce qui concerne moi, avec ma dénonciation ou quoi que ce soit, je l'ai dit avant, je vais faire d'une façon responsable. Je ne vais pas faire d'une façon qui pas faire honneur parce que quand nous descendons à un certain niveau, nous rentrons nos côtés personnels, etc., là, ce n'est pas correct. Je ne suis pas capable, si j'ai envie de donner un exemple, je vais faire des affaires qui ne m'ont pas pensé correct. Je vais dire, pendant beaucoup de temps, je fréquente des gens, je ne vais pas rentrer dans la bassesse. Nous pour la guerre démocratiquement, nous pour la guerre comme un adversaire politique, mais nous pour d'après respect nos constitutions et aussi la démocratie. Ou celui qui fin révèle l'affaire Sniffing allégué depuis le 1er juillet, là aujourd'hui il paraît qu'il s'est dissipé un peu et ou qui est constant, nous disons que les politiciens aussi, l'opposition, même le gouvernement aussi paraît n'est plus. Peut-être non, il y a de feeling à jouer. Non, on a raison. En fait, il n'est pas dissipé. Tout le monde est au courant et qu'il finit pour mener l'opinion ou qu'il y en a qui ont cause menti et qu'il y en a qui ont trahi le peuple. Ceci dit, nous dans une démocratie, il n'est pas facile du monde qui peut faire. N'oublie pas un bouton remote control qui peut apaiser parce que du monde là, Premier ministre, une démocratie qui se respecte, il faut probablement bien démissionner ou donner élection quand du monde n'a pas autant confiance dans ce qu'il fait. Maintenant, soit ben, l'institution prend une action. Mais si l'institution n'a pas pris action, le Premier ministre n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait, il est normal qu'après un certain temps, comme il est temps pour discuter de mêmes affaires. Ceci dit, mon parcours, il finit ça l'épisode de Sniffing. Tôt ou tard, il pourrait tourner, parce qu'il n'y a pas tout le temps qu'il y a l'institution là pour soigner l'influence Premier ministre. Et tôt ou tard, l'incident pourrait tourner. Le plus important, aujourd'hui, les peuples peuvent souffrir et que les peuples ont plein. Et que ça, il est pour manifester. Au fur et à mesure qu'il nous allait. Mm-hmm. Il peut prendre toutes sortes de formes. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas un événement qui dictait ce qu'il est pépé fil,
maman pensait qu'il les pépins finis prendre sa décision, s'il vient attendre le moment. Monsieur Singh, au départ, tu dis comme ça qu'il pouvait faire une troisième force politique, une alternative. Est-ce que vous pouvez annoncer qu'il pouvez faire un parti politique bientôt? Au fait, c'est ça qui m'a fait descendre pour écouter tout le monde, pour guetter. Mais pour le moment, ça qui peut paraître, c'est que définitivement, partout que je peux descendre, le monde peut avoir une alternative. Quitte à dire que nous choisi l'alternative là ou pas, je pense qu'il est important pour nos démocraties qui nous créent une alternative crédible. Je n'ai pas envie qu'il y ait une troisième force, un troisième choix qui est quand même crédible, qui amène du monde, qui peut être capable d'amener le pays là plus vivant. Maintenant, au moins les peuples là gagnent un choix. Alors, tant que les peuples n'ont pas choix, nous pourrons happy. Quoi que les peuples décident. Parce que c'est qui est patron finalement. Le patron, c'est les peuples. Et les peuples peuvent déjà où ils plaignent que son employé qu'ils mettent en place. Alors, ici, c'est une question de l'État, on va l'employer là, bizarrement, hein, ce bagage, allez. Nous devons arrêter d'inquiéter pour le CCID maintenant, ou pas, Al-Kazen, du tout, l'enquête que d'une arrivée, pas de même déploiement. Bon, une enquête en cours, on ne peut pas connaître quand il est arrivé, quand maintenant, appelle-moi, je viens. Là, pour le moment, c'est pas une question qui finit. Je t'appelle moi pour une deuxième enquête qui me répond. Et que, bon, moi, je attends la police, mais je tenais à dire que l'enquête là, c'est la diffamation. C'est pas l'enquête sur le fond de l'affaire. Et c'est ça qui est important, qui peut mislead les peuples encore. Mm-hmm. Parce que c'est une enquête de diffamation. Qui sont les autres dimons, leaders politiques qui vous parlent, mais je me demande une question après ici, tout. Je finis un rendez-vous et qui vous parlent de la semaine qui suit maintenant. Au fait, je n'ai pas encore gagné rendez-vous, mais un maximum, je suis content de vous. Alors, qui est Rossi, qui est Nando, qui est ban les autres, mais aussi surtout ban ONG, ban les autres. Comment on utilise ça à dire, ben des gens qui font partie de la société civile, ben NGOs, ben les autres, pour comprendre, encore une fois. Moi, je finis une très bonne picture de mon idée, mais j'ai envie de compléter l'exercice là, les prochaines deux semaines, pour moi vraiment, vraiment scier ça qu'il n'ait pas envie. Et une fois que je connais qu'il n'ait pas envie, si je pense qu'il n'ait pas dire qu'il a besoin de créer une alternative, je peux donner un coup de main pour créer cette alternative là, si j'ai besoin de l'alternative là, je peux lire l'alternative là. Mais en temps et lieu, moi pour annoncer mon mot, bien sûr. Si Paul Béranger revient à des meilleurs sentiments pour Zoé Noël. Non, pour moi, on connaît. Pour moi, dans la politique, il ne faut pas nous prendre trop sérieux. Paul Béranger, il est un leader historique, bon, il est en colère, il me fait un coup de gueule. Mais par contre, ça, qui ne m'a pas besoin de nous, ou bien pas quelque chose, je pense qu'il nous a allé au-delà. Il ne faut pas nous faire des affaires trop sérieux, trop personnel, etc. So, il est normal. Un grand leader historique d'un grand parti. Et peut-être ça n'a pas gassé pour une certaine raison, une réaction.